attendiez tous. Vous nous l'avez demandé avec insistance. Et enfin, il est là, prêt à accueillir les jeunes en cette veille des grandes vacances 2001. Et pourquoi pas les moins jeunes. C'est M. Lionel Fournier, maire de Rambat, qui a inauguré en présence de nombreux élus le tout nouveau terrain multisport situé quartier Poincaré, à l'extrémité de la rue Wilson. Dans son discours, M. Fournier a rappelé que ce terrain correspondait aux attentes des enfants qui ne disposaient pas d'aires de jeu adaptées, mais aussi des parents qui se plaignaient des nuisances et du bruit engendrés par les jeux des enfants sous leurs fenêtres. M. Fournier a ensuite souhaité que les efforts de la municipalité soient bien compris par les riverains et que ce terrain soit respecté et qu'il puisse profiter à tous le plus longtemps possible. Monsieur Fournier a ensuite coupé le ruban en présence des enfants du quartier qui avaient participé un petit peu plus tôt dans l'après-midi au premier tournoi de foot organisé par le Point Info Jeunes sur ce terrain. Un tournoi qui a rassemblé de nombreuses équipes de niveaux et d'âges différents. C'est Monsieur Barthélémy et Monsieur Quevreux, maire adjoint, qui ont remis les trophées et les nombreux prix aux joueurs participant à ce tournoi. A noter que ce nouveau terrain multisport pourra accueillir bien sûr les footballeurs, mais aussi les basketteurs, les handballeurs et bien d'autres sports. Ce terrain est libre d'accès, alors profitez-en. Pour clôturer cette inauguration, Charles Karcher avait décidé d'organiser pour les riverains du quartier son dernier concert. Un dernier concert de quartier, mais aussi son dernier concert en tant que chef de musique de l'harmonie municipale. Et oui, après plusieurs années à la tête de la Concordia, Charles Karcher va passer le relais pour profiter d'une retraite bien méritée. Bravo Monsieur Karcher pour tout ce que vous avez fait et apporté à la Concordia, et surtout, très bonne retraite.